de Mayenne. Et je travaille avec la voix, je travaille avec les différentes langues. Je travaille avec la terre, le paysage, avec toutes les choses qui sont des accidents, parfois. Je suis née en Pologne, j'ai vécu en Hollande, en Autriche, en Angleterre, en Belgique pendant longtemps, et maintenant j'habite la Finlande. Et j'explore des éléments. Par exemple, le soleil ou l'argile. Et dans la voix, tout ce qui se passe entre le son et sa projection. C'est les accidents qui m'intéressent. Et en ce qui concerne des influences ou des inspirations, je me compare à un fleuve. Un fleuve qui va dans différents terrains et qui parfois apporte avec lui des choses qui flottent, qui tombent de la terre. Dans le fleuve, des gens, des magnifiques collaborations, des rencontres. Et tout ça, ça le change. Jusqu'au moment où il se mêle tout à la grande mer. Je pense un peu ça. C'est assez juste, plus ou moins. On commence, s'il te plaît. Can you find me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Par exemple. Ouais, ça va. Mais il faut marquer la différence à la fin, sans ça c'est plus juste. Ouais, tout à fait. Can you find me soft asylum? I can't take it anymore. The man is at the ça va plus évidemment, mais non, c'est là qu'on doit suivre un peu le truc. Ouais. Je m'appelle Philippe Franck, alias Paradise Now, c'est mon nom de projet artistique sonore, mais aussi intermédiatique depuis le début des années 90, sous ce nom-là, j'ai commencé déjà dans le début des années 80. Et j'ai toujours eu un projet finalement collaboratif avec le son comme trait d'union entre différentes pratiques, entre différents genres, en différentes disciplines, le son et les arts plastiques, le son et la vidéo, le son et les arts numériques, mais aussi le son dans ses différentes formes d'esthétique, entre les musiques contemporaines ouvertes, les arts sonores. Par ailleurs, je travaille aussi au sein de Transculture et notamment j'ai dirigé aussi le festival des arts sonores City Sonic. Et donc je pense que dans les arts sonores, ce qui m'intéresse au pluriel, là encore, c'est comment le son peut faire du lien de manière explorative, exploratoire, mais aussi poétique et souvent contextuelle. Alors dans mes différentes collaborations, j'essaye de me mettre toujours au service du projet. Je pars du 3 et puis j'arrive vers 1 plus 1. Donc c'est un peu l'inverse de certaines personnes qui calculent autrement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aurait une qualité émergente à deux, parce que ce sont souvent des duos,
comment est-ce qu'on peut se compléter, pas seulement au niveau de nos compétences artistiques, mais surtout au niveau de nos imaginaires, de nos envies, de nos besoins, de nos manques aussi, de nos passions, de nos frustrations, de nos coups de gueule, de nos amours. Et donc ça fait beaucoup de choses qui se mélangent en mettant quand même l'accent sur le sensible. Même si j'ai une formation aussi théorique, ce qui m'intéresse c'est finalement le sensoriel en général. Et donc je suis très content que cette collaboration avec Maya, maintenant commencée en 2020, se retrouve ici pour cette résidence qu'on a appelée Traveling Souls, au couvent d'Outrage, au Transonic Lab que nous inaugurons. Ok, maintenant on va enregistrer le petit bout d'intro, mais sans que j'écoute, donc tu peux la muter. Voilà, on est parti.
à des amis communs. Tu as beaucoup travaillé, tu continues avec le poète Namurois Vincent Tenomé, qu'on a souvent programmé aussi dans Transculture. Tu connais aussi le musicien Gauthier Kertz, que j'ai joué. Et je ne sais même pas comment on est arrivé finalement à passer à la complicité artistique. En tout cas, ça a commencé un peu avant d'être en résidence au Delta Namur. C'était une période aussi assez bizarre parce qu'on était dans le Covid. Et puis on s'est retrouvés au Québec. Là, c'était en plein Covid, en effet, en mars, avec une collaboration Transculture et Rhizome, qui est une structure de la ville de Québec qui s'occupe de tout ce qui est lié entre poésie et toutes les pratiques contemporaines autres. Là, je crois qu'on s'est retrouvés tout à fait. Et puis on s'est retrouvés encore en concert dans le festival Ars Musical à Louvière dans un musée. Ça, c'était l'année passée, je pense. Et puis nous voici ici en résidence au couvent d'Autrage avant de faire une performance en commun, ce coup-ci avec de la vidéo que tu vas réaliser. Et ce sera à Bastia au festival des arts sonores Zonim. Je pense qu'on est un peu itinérant aussi dans notre collaboration et chacun avec beaucoup de choses occupées par ailleurs, mais on ne se perd pas de vue en tout cas. Non, mais c'est comme un sentiment du temps différent. Mm-hmm. Alors, on est tellement dans un temps là où tout est vite et on doit avoir des effets tout de suite. Et là, on laisse le temps de transformer, de mûrir, c'est comme de nouveau des trucs organiques. Hein. C'est le polishing de la pierre. Oui, finalement, pas loin de ton travail aussi avec la terre, avec la céramique. Tout à fait. D'ailleurs, de lien sonore aussi, maintenant. Oui, absolument. Mais le drowning salts, c'est un peu ça. Oui. Et justement, dans cette performance, ce qu'on va essayer, c'est qu'à la fois, il y a un petit peu un résumé de notre jeune, mais peut-être pas si jeune, collaboration avec quelques morceaux du mini-album qu'on avait fait suite à la résidence au Delta, qui était chacun des petits mondes, des micro-mondes finalement, pas très longs, avec une petite ambiance assez minimaliste, mais où la voix, les paysages sonores, les instruments, guitare, électronique, ce dialogue finalement. Et puis alors, il y a aussi la dimension visuelle, parce que pour toi aussi, qui est très nomade, à chaque fois tu prends des images dans les villes. C'est vrai, et ce que je trouve intéressant justement, c'est de les apporter avec moi. Oui. Et comme ça, il y a une sorte de relation entre les différents lieux aussi, qu'on a touché quelque part, ou qui nous ont touché. Mais ce que je me souviens du premier moment où on a commencé à travailler, c'était vraiment qu'on a commencé à mettre nos deux mondes, une à côté de l'autre, et faire des croisements. Tu avais une piste, moi j'avais une piste, on mettait toutes les deux, et c'était de la magie quelque part. Ouais, ça marchait tout de suite. Ça marchait tout de suite. Et maintenant, j'ai l'impression que, avec le temps, on va encore plus vers nos désirs. Mmh. Et je trouve ça très exceptionnel. En fait. Oui, c'est vrai qu'on ne se contente plus que ça marche un peu par association magique, qui est déjà très beau, c'est assez rare, mais aussi que finalement on cherche une forme de mystère commun. On ne va pas le dévoiler, mais on tourne autour. En plus, ici on a la chance d'être avec l'artiste Alain Vergifosse, qui est lui-même un artiste sonore et visuel très important, un belge, et qui s'occupe du Transsonic Lab. Donc, on commence tous un peu à essayer dans cette belle entre et dans ce beau couvent de faire en 3-4 jours pas mal de choses. On a essayé beaucoup de matières, on a pris beaucoup de voix, notamment ta voix ici dans le couloir, dans une chapelle baroque dehors ici dans la cour. Et je crois que la voix reste quand même le lien, parce que tu parlais de l'organicité, il n'y a pas plus proche que la voix qui vient du corps pour nous toucher aussi. Et la poésie, oui. Mais maintenant, c'est vrai qu'au début, on prenait parfois des textes que tu avais déjà dans différents plans, et ça, c'est très important. Les textes à toi. Et c'était mes textes, et hop,
ça marchait aussi. Mais maintenant, on fait le texte dans le studio en fonction aussi. Le texte avance finalement en même temps que l'arrangement, en même temps que les idées. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais alors, évidemment, c'est un peu plus risqué. Parfois, on perd du temps parce qu'il y a de la recherche aussi. Mais on laisse à la recherche aussi toute sa place. Mais c'est un processus très organique. Oui, c'est ça. Ça, je crois que c'est le mot un peu clé, poétique et organique. Et aussi l'importance aussi de pouvoir, même si on est des gens aussi pressés avec beaucoup de projets, mais même on se dit en 3-4 jours, on peut se donner comme une bulle où l'espace-temps est comme dilaté. Et on se consacre à ça, en fait. Et voilà, moi je pense que c'est très précieux. Et c'est vrai que ce contexte du couvent, ce magnifique couvent du 16e siècle, souvent vide, rempli d'artistes, rempli d'associations, d'ateliers parfois de très diverses, donne aussi l'occasion d'avoir une espèce d'écrin qui lui aussi peut-être donne du sens. C'est quelque chose. Puis tu vas prendre des images aussi. Oui, j'ai pris, on va en prendre encore. C'est très inspirant. C'est...